Ouais, ça, cette petite vidéo-là, c'est juste pour vous montrer l'endroit où je viens me recueillir 2 minutes et quart quand je passe par la cour d'en arrière chez nous. Fait que c'est à peu près ça que ça donne. Fait que je peux pas faire autrement que apprécier la petite cour que j'ai en arrière. Puis celle-là d'en avant, ben, est aussi belle d'une autre façon que la rivière, mais pour l'instant, je m'en vais prendre un petit pique-nique là-dedans, là, dans ces montagnes-là. Là. Et voilà. C'est ici que je viens tous les jours. À plus. Ouais, puis ça ici, c'est l'endroit où je viens pique-niquer souvent. À un moment donné, au bord de ces montagnes-là, je voyais du blanc à l'automne. Je me demandais c'était quoi. C'était la première tempête de neige qui s'en venait. J'ai vu arriver la première tempête de neige. J'avais pas eu un grain de neige encore. Puis j'ai vu arriver la première tempête. J'ai eu le temps de m'en aller chez nous en 2 minutes et quart, comme je vous ai dit tantôt. J'ai mis ça dans le garage, puis la tempête est arrivée. Fait que ça, c'est ma petite place pour manger. J'ai une couverte à terre, puis là, je m'en vais un grand bout. Je m'en vais, je suis tôt que là, en avant de vous. Là. Puis je m'enligne là-dedans. Là. Je vais arrêter, mais ça me tente. Puis là-dessus, à plus. Admirer cette belle nature. Regarde-moi ces montagnes-là. Là. Fait du 4 roues à journée longue là-dedans. C'est quand même pas rien. C'est pas le parc La Fontaine à Montréal. Là. Ça veut vous dire. C'est assez impressionnant. On enfile ça des tours, on passe dans ces montagnes-là. Quand je vous parlais de montagne tout à l'heure, mais là, on se rapproche du mont, c'est un peu. On s'en va vers là. Ah, moi, je suis des tours, là. Je vais en ligne avec les tours, je monte. C'est ma course, c'est ça. Je joue là-dedans, moi, là. C'est pas tout à fait le parc La Fontaine de Montréal. Je vous le dis tout de suite, là, c'est assez monstrueux. Ici, il y a du nounours en masse. Je vous le dis tout de suite, dès qu'on fait des nounours, ne pas vous aventurer ici. Ça rencontre ça aux 2 minutes, un ours. Mettons 3, là. Et voilà, le petit monde. Je suis revenu de ma raie de 4 roues, puis... Je suis revenu devant de chez nous, dans ma belle rivière, je suis en train de pêcher. Le commencement. Je suis encore rendu au stade où je vais pas y aller par soir, là, comme ça va être bientôt, là, mais ça m'amuse. Plus pêche, là, puis je suis en plein milieu de la rivière avec le 4 roues. Il faut regarder autour de moi. Là. Vraiment, vraiment, dans le milieu de la rivière en 4 roues. Peut-être 360 avec mon kayak. Je suis en plein milieu de la rivière, de toute beauté. Je viens de lancer ma ligne à l'eau en courant. Je ne pas qu'il va y avoir de quoi au bout de ça. Alors, je vous laisse là-dessus en plus. C'est ce spectacle. Ah, pour finir là. Quand je m'en retourne à la maison, checkez-moi le paysage que je vois. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, la maison est juste là en face, là. Côté de la grange, je crois. Regardez-moi ce spectacle. Là, j'arrive de la rivière. Là. Quand j'arrive de la rivière, ça je pense que c'est le tableau où j'ai ça. Ça aurait bien de la peine de partir d'ici là. Parce que c'est un endroit fait pour moi. Là. En pleine nature. C'est vraiment monstrueux comme montagne, comme un panorama. L'indépendance totale.
qu'est-ce que ça me prend. J'étais un gars de bois, j'étais un gars de nature. Des bons meilleurs de Chicago après une journée de plein air. Ouais, c'est une maison en brique que vous voyez au bord. C'est chez nous. C'est le char que j'ai envoyé à scrap. C'est ma cour. Ouais, ça c'est ma cour. Regardez-moi ça. Ah! Regardez-moi ça. Je suis dans la nature totale. Ça n'a pas de bon sens, je ne reviens pas. Ça fait 6 ans que je suis ici, je ne reviens pas. Je vais aller par en arrière. Voilà le paradis, à plus.